Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc vous connaissez cette boutique, c'est pas la première fois que je fais un partenariat avec eux. Donc c'est une boutique de diamants peintines et tout. Mais là, récemment, ils ont rentré des nouveautés et ils font d'autres choses. Et du coup, c'est unboxing qui est réservé aux nouveautés. Donc, parce que maintenant, ils font des moules en silicone pour la résine. Oui, alors moi, je suis trop, trop, trop contente, bien entendu. Ben, j'ai pas pu résister. Au lieu de prendre des diamants peintines, j'ai demandé si je pouvais prendre des moules pour tester leurs moules, parce que je les trouvais vraiment pas chers. Du coup, ils ont gentiment accepté, ben, de m'envoyer des moules pour que je puisse les tester avec vous et vous donner mon avis. Donc, je vous les présente. Alors, je ne sais pas parce que comme en fait, ils disent pas, il n'y a pas vraiment de budget. Donc, en fait, je leur envoie des liens de produits, quelques-uns, pas beaucoup non plus. Hein, je n'en envoie pas 10. Mais du coup, et après, ils choisissent dans ce qu'ils m'envoient. Du coup, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais on va le découvrir ensemble. Donc, pour commencer, alors là, je vois qu'il m'a envoyé. J'ai trois paquets dedans. Donc, ah oui. Alors là, j'adore. Vous allez voir, c'est une tuerie. C'est pour faire des. Je suis désolée pour le bruit. Alors, je sais plus comment. Soliflore. Voyez. Donc, en fait, c'est un moule pour. Mettre des tubes et mettre des fleurs en fait. C'est trop, trop, trop joli. Par contre, ah oui. Ah oui, d'accord. Ça doit se faire. Là, ils se mettent là. Donc, à tester très rapidement. Alors, il y en a plein. Mais les autres, je les avais et j'ai voulu tester celui-là parce qu'il est trop joli. Voilà. Et avec deux tubes, c'est top. Bon, le seul truc, c'est que j'espère qu'il me reste des tubes parce que du coup, il n'y a pas les tubes avec, mais les tubes, vous les en trouvez un peu partout. Je crois que j'en avais pris sur AliExpress et sur, je sais plus quoi, Bibicraft, je crois. Bref. Donc voilà, futur projet. On fera les tests ensemble. Par contre, il est super. Il est vraiment super ce moule, je trouve. Il est costaud, quoi, je veux dire. Il est pas. Il est top. J'aime beaucoup. Je me tarde. Et puis, pour info, je ne sais plus qui c'est qui me posait la question l'autre fois. Comment c'est quand le moule il va être brillant ou mat? Fait que la résine va être brillante ou mat par rapport au moule. Donc, en fait, quand il brille comme ça, en général, la résine sera brillante. Si ça brille pas, en général, c'est que ce sera opaque. Voilà, fait mat. C'est le petit détail, tant que j'y pense, je lui réponds en vidéo. Ensuite, ah oui, j'adore ça. J'ai craqué. Je l'ai trouvé trop original. Donc, je vais vous montrer ça. Ah. Le ciseau par là. Et un scotch. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs moules dans ce lot. Donc en fait, il s'agit de moules pour faire des dessous de tasses. Ou de verre, mais là, c'est plutôt des tasses. Donc voilà, ça, c'est top. Et nous avons pour faire aussi tout ce qui est petits grains de café et tout. Je trouve ça trop génial. Je vous montre. Voilà. Donc, pour faire ben, les tranches de citron, d'orange, les petits carrés de chocolat, les petits grains de café. C'est trop, trop top. Et nous avons le support. Voilà, donc en fait, on fait nos petites décos, enfin si on veut, hein. Si on peut mettre n'importe quoi, on fait nos petites tasses et on vient les mettre. Voilà,
Donc là, par contre, celui-là, je sais pas si c'est pour celui-là. Je sais pas trop là pourquoi il est. On va en faire des petites, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je regarde et je réfléchis. Désolée, mais là, il faut que je réfléchisse. Oui, non, je pense que c'est pour faire deux sortes de tasses avec la hanse et tout, et ça, la hanse. Voilà, tout simplement, je pense. Donc là, franchement, j'adore, je suis trop contente. Parce qu'en plus, ça fait vraiment, vous le voyez pas, mais pour les grains de café, il y a vraiment le trait là au fond. Peut-être comme ça, vous le verrez mieux. Voilà. Donc, j'adore. Et pour finir, pareil, alors, quand je l'ai vu, je suis pensée aux filles qui aiment beaucoup tout ce qui est, vous savez, les boules de bain effervescentes, les perles de bain et tout et tout. En fait, il s'agit d'une baignoire. Voilà. Donc, on coule la résine, tout simplement. Et après, on a pour faire les petits pieds. Parce qu'il y a les quatre pieds. Donc, et j'ai trouvé ça trop génial pour faire des moulages pour Noël, pour le marché de Noël, par exemple. Là, on fait la petite baignoire, puis dedans, on met des petits trucs de bain. Et après, on l'empaquette et ça fait un super cadeau. Voilà. En fait, je suis trop contente. En plus, elle est super belle, quoi. Alors là, la baignoire, elle fait comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, la forme. Ça, c'est juste pour consolider. La baignoire, elle fait comme ça. Hop. Donc, et puis, je le trouve super, ce moule-là. Donc, à voir ce que ça va donner. Me tarde trop. Là, je regarde les détails, hein, je suis désolée. Mais... Et franchement, je trouve que c'est tip-top. Je trouve ça trop génial. Pour Noël et tout. Donc voilà. Donc je voulais vraiment remercier One Day Saving de m'avoir envoyé ces merveilles. Je voulais absolument vous faire découvrir qu'ils faisaient des autres choses que des diamants painting et je crois qu'ils font de la broderie au point de croix, je crois aussi. Bref, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister et comme ça, je voulais tester les moules pour vous donner mon avis sincère s'ils sont bien ou pas. Parce que franchement, ils sont pas chers. Et j'aime bien tester pour vous. Et en plus, ils me les ont gentiment envoyés. Donc, que demander de plus? Ils ont mis aussi en place un code promo pour vous. Donc, vous l'avez en barre d'infos. Je sais pas si c'est pas 5% ou 5 euros de moins sur une commande. Je sais pas. Je vous le mets en barre d'infos parce que là, je vais vous dire des bêtises. Je vous mets les liens des moules qui m'ont gentiment envoyé. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour tester toutes ces merveilles. Bye bye.